Bonjour Clément Sanchez. Bonjour. Vous êtes titulaire de la chaire chimie des matériaux hybrides. Une bonne partie de ces matériaux sont en fait issus de ce que la nature fait elle-même. Oui, quelques exemples seraient les carapaces ou les cuticules des crustacés, les carapaces de crabes, les carapaces de mollusques, l'os humain, les systèmes enzymatiques qui mettent en jeu également non seulement des molécules biologiques, mais également des métaux et bien d'autres. En quoi sont-ils hybrides, ces matériaux? Hybride, c'est, enfin, l'hybridation, c'est plutôt dans le sens d'une mixité ou d'un métissage, finalement, entre le monde organique et le monde minéral. Et donc, si vous arrivez construire finalement une molécule au départ qui possède finalement un peu ces deux fonctionnalités, que vous arrivez à les assembler de façon un peu astucieuse, vous allez créer un nouveau matériau qui va être un matériau hybride, donc un composite mais à une toute petite échelle, à une échelle moléculaire qui va récupérer finalement les fonctionnalités des deux mondes. Et la nature donc nous fournit des exemples de matériaux hybrides et l'homme aussi, historiquement, finalement, a utilisé et a mélangé comme ça de l'organique et du minéral. Oui, il y a par exemple le bleu Maya. Les archéologues en fait, ont trouvé que ces bleus étaient absolument très, très bien conservés, en fait, dans des conditions particulièrement difficiles d'humidité, de température. Et donc, le réflexe était de dire si ça tient longtemps, si le système, c'est forcément du minéral. Et en fait, non, en fait, ce bleu Maya, c'est simplement un hybride. C'est une argile, en fait, une argile fibreuse. Bon, donc le nom n'est pas forcément intéressant, mais dans lequel les Mayas ont réussi, par chimie, à intercaler, à insérer en fait, du bleu indigo. Et en fait, la carcasse minérale protège finalement l'indigo d'un certain nombre d'agressions et permet d'augmenter la longévité du système. C'est ça, ça c'était très empirique jusqu'à ce qu'une véritable école de pensée se développe fin des années 80. On a commencé à repérer dès ces années-là des analogies entre les modes de construction de certains matériaux de la nature et les modes de construction finalement que le chimiste utilisait. Par exemple Lorsque vous construisez par exemple, ou que la nature plutôt construit une carapace de crabe, ce qu'elle utilise en général, c'est un moule, au sens du moule à gâteau, qui est un moule moléculaire, en fait, qui est constitué, par exemple, dans le cadre de la carapace de crabe, ce sont des sucres qui s'auto-assemblent, en fait. Il y a des affinités entre les molécules, et ces molécules s'assemblent à plusieurs échelles. D'abord, elles s'assemblent en petits paquets, puis en paquets plus gros, avec des formes particulières. Et c'est dans ce moule, en fait, mou, organique, que la minéralisation a lieu. Et en fait, la carapace de crabe, la partie minérale, c'est de la craie, hein, c'est du carbonate de calcium. Mais si vous enlevez l'une des deux parties, le minéral ou l'organique, par un procédé chimique simple, un lavage par exemple, eh bien, vous allez révéler finalement une empreinte qui va être pleine de trous, et des trous parfaitement bien calibrés, puisque vous avez obtenu ça par des processus d'auto-assemblage avec des molécules qui elles-mêmes sont bien calibrées. Et donc le chimiste, lui, va se dire, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser finalement des processus d'auto-assemblage pour créer des matériaux avec des trous parfaitement contrôlés, des tout petits trous à l'échelle du nanomètre, et ensuite, je vais pas utiliser de la craie pour faire ça, mais tout le tableau périodique avec tous les matériaux que je sais faire, et à partir de ce moment-là, je vais pouvoir créer des matériaux pour le solaire, pour d'autres aspects qui concernent l'énergie, pour l'environnement comme des photocatalyseurs, puisque je vais créer des très grandes surfaces, avec ces surfaces ayant les réactivités du matériau que j'aurais choisi un peu sur mesure. Alors il faut expliquer cette histoire de grande surface. En fait, en descendant à l'échelle nanométrique, étrangement, on augmente considérablement la surface de réaction. Oui, tout à fait. Vous pouvez l'expliquer ? Oui, en fait, c'est simplement si un objet, vous prenez par exemple une feuille de papier, vous voyez qu'elle correspond à un certain contour, à une certaine surface. Si vous la découpez en carreaux centimétriques, et vous amusez à suivre finalement le pourtour de chaque carreau et que vous faites la somme, vous voyez très bien, de façon très simple, que vous allez augmenter de façon considérable la surface. Ce que vous avez fait simplement, c'est
finalement, diminuer la taille de votre objet. À chaque fois que vous diminuez la taille d'un objet, vous augmentez ce qu'on appelle le rapport entre la surface et le volume de l'objet. Ces matériaux poreux, dont Oui. vous êtes un des spécialistes, à quoi peuvent-ils servir? Donc ces matériaux servent essentiellement dans les domaines de la médecine, l'environnement et l'énergie. Vous voyez, c'est assez vaste. Alors la médecine, par La exemple. médecine, par exemple, vous avez les vecteurs thérapeutiques. Ça, c'est un domaine qui est totalement passionnant parce que dans une petite capsule de 100 nanomètres, vous voyez, 100 nanomètres, c'est tout petit, on peut arriver à faire que cette capsule soit remplie de deux ou trois médicaments anticancéreux qui ne sont pas forcément solubles dans les capsules habituelles. En plus, on peut rajouter des petites particules d'or ou magnétiques qui permettent par exemple de créer une image de la tumeur. Donc vous voyez la tumeur grâce à la particule qui l'image. Vous excitez ensuite cette petite capsule par un champ magnétique par exemple. Donc cette excitation permet de créer de la chaleur. Et cette chaleur permet par exemple de modifier la taille ou la conformation de polymère que vous avez positionné sur la porte, sur les trous, pour éviter que le médicament soit largué. Et il y a de nombreuses équipes dans le monde qui sont sur ce genre de thématiques, parce que finalement, on a l'impression que oui, ça va être le vecteur qui fait tout. Alors évidemment, il y a des études in vivo et in vitro, il y a des études de toxicité. Bon, c'est pour ça que ces études vont demander du temps avant de. Mais c'est vraiment un peu un vecteur miracle. Vous avez évoqué le tableau périodique qui vous permet d'avoir à disposition finalement des tas d'éléments pour fabriquer désormais les matériaux qui vous plaisent. Ça, c'est plus une démarche de maçon ou d'architecte? L'essentiel, c'est de construire la maison, non? Non, on a toujours un Lego dans la tête quand on imagine les choses. Et donc là, c'est vraiment la partie architecte qui se révèle. Mais dans la construction, de faire la synthèse elle-même, il faut assembler. Donc c'est un travail à la fois de maçon, oui.